Le meilleur allié du pêcheur côtier de surfcasting est l'appât naturel arénicole. Néréides et autres bibis sont quelques-unes des bestioles qui assureront le succès de vos parties de pêche. La toute première chose à connaître est donc de savoir où et comment trouver ces appâts qui affoleront les poissons que vous recherchez. On s'approche encore ? Non, mais pardon. Alors ici, là, se trouve la tête du ver dans le creux d'un tonneau noir. La déjection, tout ça. Et se trouve le ver dans le milieu. Alors, on va creuser. Là, voilà. Voilà une jolie quand même. Ah, tiens, une belle. Une belle arénicole comme ça, bien noir, c'est l'équivalent d'une belle sole. Voyons, on utilise l'arénicole ici dans la région en début de saison, mars, avril. C'est un très bon appât pour le début de saison. Et après, on suit avec à l'entrée de la dorade au mois de mai. On va suivre avec la pistiche. La pistiche est une néréide qu'on va aller chercher un peu plus loin, par là-bas, dans des endroits assez vaseux. Voilà, une fois la cueillette terminée, on se sert d'un petit ami fabriqué maison. On va mettre tous nos arénicoles dans ce tamis. Pour pouvoir les nettoyer. On va essayer le saut. Voilà. Voilà. Pour une partie de pêche, ça suffira largement. On va trouver la pistiche dans ces endroits un peu ombragés où on trouve des coquilles d'huîtres, des anciens pignottes de parc. Donc on va fourcher. Elle se loge parfois dans la coquille. Voilà. Voilà une pistiche. C'est un ver qui est très très dur en tête. Donc on le boitera, on va commencer pour le boiter par la queue, on le fera remonter sur le fil et ça vous donnera une néride parfaitement bien conservée et qui sera naturelle pour le poisson. Là, il y a un trou. Alors comme je ne sais pas si c'est une machotte ou un clovis, le mieux c'est d'essayer, c'est de regarder avec le doigt. Ah, là par contre, ça n'est une. Alors on va essayer. Ah, voilà, elle n'a pas totalement sorti du trou, il faut l'attraper avant qu'elle rentre. Et voilà la bête. Celle-là, c'est disons une petite pour la saison. Hein. Il y en a, elles sont, disons, deux fois plus grosses. Et alors cette bébête qu'on appelle une caillanas ou une machotte, ça sert spécifiquement pour la dorade ou pour la loubine. C'est un excellent appât. Pour pêcher, bon, on utilise les arénicoles, les pestiches, les machottes tout au long de l'année. Mais bon, quand il arrive la saison septembre, octobre, on a nos coins à nous. Mais il faut aller de plus en plus loin maintenant pour rechercher nos appâts. Les appâts sont trop petits. Alors on préfère les laisser grossir pour la saison et puis après on prend le bateau malheureusement, ça fait une journée complète et on va rechercher nos appâts au milieu du bassin sur des vieux parcs à huîtres abandonnés. Les anciens parqueurs nous donnent l'autorisation aimablement et alors on en trouve énormément quand même. Nous voilà maintenant prêts, après avoir ramassé les arénicoles, les pistiches, les machottes. Et aujourd'hui, vu le faible coefficient de marée, nous n'avons pas pu ramasser de ver à tube,
qui est un excellent appât pour la pêche en surf casting ou même voire au bassin pour la dorade ou la loubine. Avant de connaître les émotions des premières captures, comme celle de ce rouget, pris par Robert Perret, ex-membre de l'équipe de France de surfcasting, il vous faudra encore choisir le matériel le plus adapté. C'est Bruno Mera, qui depuis de nombreuses années est devenu un spécialiste des pêches côtières en Atlantique, qui nous présente celui-ci. Il existe deux types de cannes pour pêcher sur nos côtes. La canne à tambour fixe et la canne à tambour tournant. Des plus utilisés sur nos côtes, Atlantique, et la tambour fixe. Elle varie entre 4,20 m et 5 m. La plus utilisée est la 4,50. En tambour tournant, elles viennent juste de faire leur apparition sur la côte Atlantique. Moi, personnellement, je pêche depuis 6 mois avec ce type de canne. L'avantage du tambour tournant, et que l'on peut facilement gagner 20 à 30 voire 40 mètres au lancer comparé à un tambour fixe. Le tambour fixe, lui, est quand même restreint au niveau de la distance à laquelle on peut lancer les appâts. Quant aux nylons utilisés, ils sont pratiquement identiques que sur les deux types de moulinets. Sauf que sur le tambour tournant, on mettra un arraché car la violence du lancer est beaucoup plus impressionnante, beaucoup plus importante que le tambour fixe. Donc on mettra un arraché sur 12-15 mètres en 50 centièmes pour plus de sécurité au lancer. Pour le voisinage, tout d'abord, comparé au tambour fixe qui lui ne demande pas, vu que la violence du lancer est moins importante, on ne mettra pas d'arraché, mais on prend une sécurité en 35 centièmes voire 40 centièmes. Sur la côte landaise, là, on pêche du 28 jusqu'au 35 centièmes voire 40 centièmes pour certains. Enfin, tout dépend l'époque de l'année, du moment de l'année. Si ce sont de gros poissons recherchés, on pêchera un peu plus fort et on montera plus fort aussi en bas de ligne. Mais l'été, on pêche piguet, dorade, donc on monte 28, 30, 35, pas plus. Les pêches d'hiver, qui est l'occasion de gros poissons, c'est-à-dire de gros bars ou de grosses raies, là on monte beaucoup plus fort. On monte en 40 voire 45 centièmes en fil de moulinet. Un élément fondamental pour la pêche, le plomb. Il existe plusieurs sortes de plomb. Tout d'abord les plombs étoiles, qui varient de 80, voire même en dessous, 60 grammes, jusqu'à 170 grammes, 180 grammes. Il est très peu utilisé dans le bassin. On l'utilise surtout sur la côte pour pêcher en surfcasting. Après, nous avons le plomb palangre. Le plomb palangre qui, lui, varie de 20 jusqu'à 150 voire 180 grammes. Lui, il est utilisé pour pêcher soit en bateau au bassin, pour pêcher à la palangrotte. Son poids pour pêcher à la palangrotte varie entre 60 et 120 grammes. On l'utilise très peu pour la pêche en surfcasting. Il arrive parfois, quand la mer est calme, qu'on puisse l'utiliser. Ce sera toujours beaucoup plus favorable d'utiliser un plomb qui n'aura aucune tenue sur le sable qu'un autre plomb comme le grappin, comme l'étoile, qui lui aura de la tenue sur le sable, quand la mer peut l'accepter. Ensuite, nous avons les plombs à grappin. Plombs grappins qui ont évolué depuis 3-4 ans, qui maintenant possèdent des perles pour débrayer le plomb. Comparativement aux anciens, qui eux étaient en partie laitonnés et qui devaient se débrider par traction sur la canne. Maintenant, une simple petite traction et la perle saute et le plomb est débrayé, et pour ramener c'est plus facile. Alors là, le poids varie entre 80 et 150 grammes. Il y a aussi ce plomb grappin à ailette qui permet, semble-t-il, des lancers beaucoup plus lointains. Et ensuite, nous avons les plombs montres qui sont de fonction
identiques aux palangres, mais qui ont une meilleure tenue au sol, qui empêche la ligne de dérivée. Donc les poids varient entre 60 et 150 grammes. Donc ça, toujours à utiliser selon les coefficients de marée, selon la force du courant ou la force des vagues. Donc il faut avoir une panoplie assez importante de plomb pour pouvoir permettre de bien pêcher. Il est primordial de mettre un émerillon pour toute accroche d'un plomb. Cet émerillon permettra de libérer plus facilement le plomb à chaque changement de plomb, mais aussi d'éviter de faire briller le bas de ligne quand la dérive du bas de ligne aura lieu avec le courant. Là, je pense que j'en ai un gros. Ça va être une jolie loubine. Puis la touche. Elle veut pas venir. C'est une costaud, ça, je sais pas, mais... Je l'ai laissé trop longtemps dans les vagues. Voilà. Magnifique bête. Celle-là, par contre, c'est une loubine qui fait la taille légale. Une loubine, pour qu'on la ramène, pour qu'on la garde, il faut qu'elle fasse 36 cm. Et là, il n'y a aucun problème. Elle fait 40. Par contre, quand on pêche une loubine, il faut s'avancer dans la vague. Il ne faut pas lui laisser de mou. Et il faut profiter de la vague pour ramener le poisson vers nous. Parce que si on ramène le poisson quand la vague tire vers le large, le poisson il en profite pour faire un demi-tour, un tête à queue, et ça se décroche. Donc là, c'est ok pour ce truc. Aujourd'hui, j'ai choisi ce montage. J'ai mis un plomb grappin de 125 grammes. Parce qu'il y a un peu de courant, ça fait 2 heures que l'on monte. Et j'ai choisi d'avoir un petit corps de ligne et un grand avançant de plus de 1,10 m, 1,20 m. Ce qui fait que le traînard va bien onduler dans l'eau. Avec une magnifique arénicole, ce sera très attractif pour le poisson. Avec le courant, ça va faire remuer l'appât et le poisson va croire que c'est un vrai qui est en train de dériver dans le courant et non pas que le ver est attaché sur un bas de ligne et qu'il y a un hameçon dessous. Voilà. Alors l'arénicole, il y a deux façons de l'enfiler. Soit on l'enfile avec une aiguille, ou alors on peut l'enfiler comme ceci. Quand on a bien le cou, on peut l'enfiler sans la percer. Voilà. Alors avec la main droite, on pousse. Avec la main gauche, on fait suivre. On fait coulisser sur l'hameçon. Voilà. Et à la fin, on fait ressortir juste avant, de façon à ce qu'il y ait la queue qui pend un peu. Comme ça, c'est plus attractif. Voilà. Et là, on est prêt à pêcher. Alors là, quand on pêche au grappin, après avoir lancé, quand on sent le plomb qui touche le fond, il faut donner 2 ou 3 petits coups de canne pour faire prendre le grappin. Comme ça, ça évite de gêner le pêcheur qui est à côté. Là, voilà, le grappin a pris au fond, on le sent, à la tension de la canne. On relâche le fil. Voilà,
on remet sa canne en place et on règle le frein. Voilà. Voilà. Ok. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que le poisson morde. La particularité de la côte girondine, chez nous, ce sont les baïnes. Les baïnes, il faut se méfier, c'est un coin dangereux aussi bien pour les pêcheurs que pour les baigneurs. Parce qu'un pêcheur qui va vouloir pêcher sur un platin par marée montante, s'il ne fait pas attention et que l'eau passe derrière lui, il va se retrouver coincé. Le pêcheur, lui, pour attraper du poisson, des loubines ou même des turbots, va se mettre où ça brise le plus, au niveau du platin. Les loubines se tiennent là parce que bon, ça brise, il va y avoir des vers qui vont être déterrés par les vagues, et il va venir manger. Les turbos, c'est pareil. Lui, il aime bien les vers bleus, les ophélies. Il va se situer à peu près dans le même coin. Il va attendre que la marée monte pour pouvoir manger. Il va y avoir aussi des sols, peut-être des marbrés, mais c'est pas évident à cette saison. En océan Atlantique, pour pêcher, il faut se renseigner des marées et des coefficients près d'un marchand de pêche qui lui vous renseignera. Pour pêcher, il faut pêcher avec des petits coefficients, c'est-à-dire aux alentours de entre 70 et 80, pour pas qu'il y ait trop de courant, parce que s'il y a trop de courant, vous ne pourrez pas pêcher, votre grappin va dériver ou votre châtaigne. Mais il y aura suffisamment de courant pour que le poisson vienne au bord dans les vagues, pour qu'il soit en train de chasser derrière des tout petits poissons ou chercher des vers. Et par contre, si vous pêchez avec des gros coefficients tels que 100, 115, là c'est la catastrophe totale. Vous ne pourrez absolument pas pêcher et vous serez obligé de plier boutique vite fait. Le plus mauvais moment pour pêcher, ce sont les marées à petits coefficients, c'est-à-dire les mordeaux que l'on appelle, ou mortaux. L'eau descend pas beaucoup ou un peu, et ce sont des coefficients variant de 30 à 45, et là, la marée ne varie pas beaucoup, le poisson ne circule pas beaucoup du tout, ou très peu, et le poisson se tient beaucoup plus au large parce que la mer ne remue pas assez, c'est pas assez oxygéné, ça soulève pas le fond, le poisson ne vient pas, absolument pas. On va relever parce que la mer gagne, il va falloir reculer. Hein, c'est légèrement dur. Ah, j'ai quelque chose, hein. Par contre, par cette mer-là, c'est pas évident de voir toutes les touches. Hein. Et une magnifique dorade en plus. On va la mettre au secours pour que je décroche. Voilà, en plus, j'ai de la chance pour moi, je vais pouvoir récupérer mon hameçon. Parce qu'avec la dentition qu'a une dorade royale, c'est... Voilà. Sinon, un hameçon comme ça, ça explose. Parce que la dorade, les dangers de la dorade, c'est sa dentition, là, faut faire attention. La gueule est entièrement pavée dedans. Et juste là, en bas et en haut, elle a 7 ou 8 petites incisives très, très coupantes. Si on met le doigt dans la gueule, on se fait écraser le doigt. Alors là, s'il ne peut pas me la faire échapper, voilà. La dorade royale est reconnaissable par son sourcil d'or et par une légère tache orange. Là. La royale au sourcil d'or. Magnifique bête. Voilà, on va la mettre au sec. Ben là, comme je vous disais tout à l'heure, les dangers des baïnes. C'est justement quand on pêche sur un platin pour aller chercher du beau poisson, l'inconvénient c'est quand la marée monte, on se fait avoir justement par l'eau qui remplit la baïne par derrière. C'est effectivement très dangereux. Bon, aujourd'hui j'ai eu de la chance parce que c'est un petit coefficient. Je ne me suis pas laissé trop prendre à revers et ça a été. Partir.
doublé de doradine sur pêche entraîneur. Ce soir, nous avons un basse mer à 18h30, coefficient 50, marée idéale pour pêcher à l'entrée du bassin. Entrée du bassin, nous sommes à la Salinor et c'est un endroit idéal pour pêcher avec ce coefficient-là. Nous sommes pratiquement au coucher du soleil et c'est le moment le plus favorable pour que le poisson se rapproche de la côte. Ce soir, j'ai décidé de pêcher avec deux hameçons. Deux hameçons, donc munis de deux potences. J'ai adapté un plomb de 100 g grappin débrayable, ce qui permet de ramener facilement quand la mer en sable. Donc toujours mettre un émerillon pour éviter le vrillage au retour du plomb. Voilà, je monte mon corps de ligne en 50 centièmes de façon à ce que ça suive mon arraché, car dessus sur le début du moulinet je mets un arraché de 10 mètres en 50 centièmes pour faciliter, pour éviter la casse au moment du lancer. Donc là-dessus, on va adapter des hameçons. Alors ce sont des hameçons à tige longue qui portent beaucoup mieux le verre, qui tient beaucoup mieux l'appât sur une longueur de 25-30 cm. Voilà, on enfile ça dans les mérillons, ça tourne dans tous les sens, c'est parfait, ça évite le vrillage. Donc ce soir, j'ai décidé de pêcher au ver à tube avant le coucher du soleil. Donc il faut le botter délicatement sur une aiguille, de façon à pouvoir le passer sur l'hameçon sans problème. C'est un ver assez fragile qui tient très peu de temps. Généralement, nous les salons après une partie de pêche de façon à pouvoir les conserver beaucoup plus longtemps. Donc je mets la pointe dans le trou de l'aiguille. Je maintiens l'aiguille entre mon pouce et mon index et je fais coulisser. Voilà, le tour est joué. Toujours une bonne quantité de façon à ce que le ver ne parte pas au moment du lancer, et même s'il y en a un peu qui part, il en reste toujours assez pour pouvoir attraper un poisson. La pêche en bord de mer est autorisée jour et nuit. Quelles que soient les périodes de l'année, le coucher du soleil et le lever du jour sont propices à la capture de la plupart des espèces. Celles-ci attendent souvent la tombée de la nuit pour se rapprocher des plages et des grèves silencieuses. Voici une magnifique petite dorade de 700 g environ.
et elle m'a fait une belle touche. Ça m'a complètement détendu le fil, ça m'a enlevé le grappin. Voilà, sur mon hameçon numéro 2, Gamagatsu. Après avoir pêché hier soir à l'océan, nous nous retrouvons ce matin à la pêche au bassin. La pêche au bassin est assez particulière quand il faut pêcher avec la marée. La marée ce matin est favorable, marée montante du matin, 7h30, le moment idéal pour pêcher la dorade. La marée montante au bassin, par petit coefficient, est toujours favorable à la pêche des dorades, loubines, voire soles. À cette époque-là de l'année, l'herbe envahissante dans le bassin ne permet pas de pêcher toute la marée. Il faut donc pêcher pendant les étals de basse mer ou de pleine mer. Doublé. On utilise ce montage traînard pour pêcher au bassin. C'est un des montages les plus courants que l'on peut trouver chez tous les pêcheurs d'Arcachon. C'est un montage qui permet, avec une grande longueur d'avançon, qui permet de libérer complètement l'appât, qui donne vie à un appât. Et après on utilise un plomb, on appelle des plombs obus, de façon à gagner le maximum en distance. On voit, plomb profilé. Et on le mettra 30 cm en dessous du traînard. Toujours monter avec un émerillon. Voilà, c'est le bas de ligne essentiel pour la pêche au bassin. Ce matin, j'ai utilisé des verres à tube salés. Le verre à tube salé, pourquoi? Parce que par petit coefficient, la marée ne découvrant pas, on ne peut pas les ramasser. Donc il faut les conserver dans du sel pour pouvoir pratiquer quand les marées sont très faibles. Un doublé. Ouais. Un petit grisé, une jolie loupe, une jolie taille quand même. Là, ils ont mordu sur le montage à wishbone. Le grisé, la loupine. Voilà. Ouais. Et la loupine a mordu à la pistiche. Et puis le petit grisé à la rainicole. Alors là, la loubine a mordu sur un traînard de 2 mètres et le grisé aussi avec un montage en wishbone. Alors le wishbone consiste de un petit avançon en V à côté de l'un de l'autre, ce qui représente ceci. Voilà. Et alors pistiche et arénicole. Alors là, ce montage c'est prévu principalement pour la dorade. Et là, les loubines et le grisé, ils ont mordu tous les deux à la fois. Bon, mais le gros et le petit, c'est pas souvent que ça arrive. Hein. Voilà pour la rainicole. On va remettre une pistiche. On la pique sur le côté légèrement, la tête. Voilà. Un filet. Voilà, on fait glisser, comme ça, tout doucement,
et on fait venir buter quand à la courbure. Ce qui nous donne ceci une fois éché. Et on va pouvoir relancer un dernier coup parce que comme c'est un petit peu de courant. Une belle dorade royale qui fait à peu près 100 kg, prise au verre à tube, salée, sur un traînard toujours. Poisson magnifique, qui offre une défense exceptionnelle. Je vais la décrocher et la mettre dans le filet. Des longues plages du Languedoc aux petites criques varoises, en passant par les grands espaces de Camargue, la Méditerranée offre de nombreuses possibilités pour la pêche du bord. Jean-Luc Ursin, moniteur et spécialiste de pêche, nous guide dans une première approche des techniques de pêche du bord en Méditerranée. Mais là, on se trouve sur la partie est de la Méditerranée. Donc on pratique les pêches de surf casting, que ce soit du bord de sable avec des pics de surf, que ce soit de bord des digues comme ça, avec des cannes posées. On pêche avec des cannes qui varient entre 3,50 m et 4,20 m. Ça suffit comme genre de canne, comme longueur pour la région. Ce qui guide la pêche, surtout en Atlantique, c'est l'effet des marées qu'on ne trouve pas ici. Ici, c'est un peu différent. On pêche avec la lune. Donc ce qui est bon, c'est le lever de lune. Lorsque la lune est pleine, c'est pas spécialement bon, mais par grosse lune, lorsqu'on pêche de jour ou de nuit, il y a un moment qui est très bon, c'est l'heure qui suit, une heure et demie qui suit le lever de lune. Les attaques se produisent normalement, généralement à cette période. Le coucher de lune est bon aussi. Le meilleur, évidemment, c'est la nouvelle lune, la lune noire, qui est très bonne. Les vents aussi sont assez influents. Partant de Mistral, dans la région, on dit toujours que ça ne mord pas, qu'on fait rien. C'est vrai que parfois on arrive à faire quelques poissons, mais ce n'est pas la généralité. L'idéal, c'est un temps un petit peu calme avec un petit peu de vent d'est. Par petit vent d'est, le poisson est plus en appétit et puis mord beaucoup plus facilement. Par grosse mer d'est, c'est presque la tempête, il y a quelques pêcheurs, quelques courageux qui sortent quand même, et c'est là où on réussit à faire les plus beaux poissons. Je considère qu'il y a à peu près deux régions bien spécifiques pour la pêche en Méditerranée. Une qui se situe à l'ouest du Rhône, avec tout le Languedoc-Roussillon, où là-bas on pêche quand même avec du grappin, plomb grappin, parce qu'il y a quand même plus de vagues, il y a un petit peu plus de courant. Il y a des poissons différents, tels que du turbo, on prend du beau turbo jusqu'à 8-10 kg de bord, de surf. Et puis il y a la région qui se situe côté est, jusqu'à Nice, Monaco. On ne pêche pas tout à fait les mêmes poissons. Par ici, on va faire des montages un petit peu plus fins, un petit peu plus avec des plombs coulissants. Et les poissons recherchés ici seront plus du type marbré, sard, dorade, loup, avec des appâts qu'on trouve dans la région, des appâts naturels qu'on trouve dans le sable, sur les rochers, dans ces endroits-là. On peut considérer aussi qu'il y a un troisième secteur qui se situe en Corse, c'est un petit peu le paradis des pêcheurs, avec le même genre de poisson, en beaucoup plus gros, avec une côte qui est parfois très découpée, parfois plage de sable, et avec des embouchures de rivières où là on prend vraiment du beau poisson, style liche, céréole, denti, pas mal de poissons chasseurs, qui, bon, pour des denti qui atteignent 6-8 kg du bord, en bateau on en fait des beaucoup plus gros bien sûr, et des liches qui font une vingtaine de kilos.
Lorsque je pêche en surfcasting, j'ai toujours avec moi mes trois appâts favoris. En commençant par le ver américain, le ver qui s'achète dans le commerce, de différentes tailles. Il y a du gros, et puis il y a du moins gros. Alors certains préfèrent les petits, d'autres les gros. Moi, j'ai pas trop de préférence. On monte ça sur un hameçon de numéro 2 à numéro 6. C'est un ver passe-partout. C'est un ver qui est bon pour tous les poissons blancs. Lorsqu'on n'a rien d'autre, c'est bon pour la dorade, le sar, le marbré, le loup, le pajot. Normalement, tous les poissons mordent sur le ver américain. Malheureusement, si on tombe sur du tout petit poisson, il le mange aussi. Ensuite, mon appât préféré, hein. C'est vraiment mon appât préféré, la paroi, c'est la cordelle de sable. Ce sont des vers que je vais attraper moi-même. On va en sortir deux, trois. Absolument tous les poissons mordent sur la cordelle, sur le ver de sable, tous les poissons. Ça, c'est l'appât vraiment, c'est ce qu'il y a de meilleur pour moi. Ensuite, il y a un appât qui est très très bon, c'est le bibi. Alors le bibi, ici, on n'en trouve pas. Le bibi vient presque essentiellement de l'étang de Thau. Le bibi, c'est un super ver. C'est l'appât roi pour la dorade. La dorade royale, vraiment, tous les sparidés, c'est le super appât. Ah ben, il n'y a rien, j'étais dans le sable. L'idéal, c'est d'arriver à trouver la belle tache de sable au milieu de l'algue et de la roche. Si on tombe sur la roche ou l'algue, on accroche, on risque de casser. Et si on tombe bien sur le sable, avec le plomb coulissant, là, le bibi au bout, on risque de faire un beau poisson. Et là, j'avais mis un bibi. Voilà, le bibi il a été mâchouillé. Il n'est pas beau, il est bon à changer. On va le changer. Alors je vais refaire le montage d'un bibi, vu que l'autre a été mangé. Pour ça, j'utilise des hameçons inox numéro 2. Ou alors des hameçons forgés, blancs, forts de fer. C'est le principal, parce que sinon, si c'est un gros poisson, l'hameçon ne tient pas le coup, il s'ouvre et on perd le poisson. J'utilise une aiguille aussi, petite aiguille percée de part en part, très fine, de façon à ne pas abîmer le verre. Alors, le bibi. Le bibi, il ne faut pas le percer de part en part, comme beaucoup de personnes le font. Il y a juste un petit endroit sur le devant où on le perce. Ça rentre tout seul. Et on le fait ressortir à l'opposé. Voilà. On va camoufler l'hameçon. Voilà, le bibi est prêt à être lancé. Je fais une double boucle. Là, je les monte sur du fil de 28 centièmes, 28-30 centièmes en ce moment. Parce qu'il y a quelques jours, je me suis fait démonter. Donc, en bonne saison, en période où il y a des belles dorades, du beau poisson, on monte un peu plus gros. Sinon, le reste de l'année, on monte en 22-24 centièmes, je crois que ça suffit largement. Voilà. Donc en même temps, voilà mon montage. Mon plomb coulissant, une olive qui va aller de 40 à 120-150 grammes. Une perle et un émerillon baril. Un émerillon agrafe. Voilà. La perle sert uniquement à une chose. C'est que ce nœud ne casse pas, le nœud d'émerillon. Parce que sur le sable, lorsqu'on a lancé 3-4 fois, on remonte avec les frottements, le plomb, à force de taper sur le nœud, casse le nœud, et puis ben on lance, on a tout perdu, et on refait. Voilà. Et c'est prêt à être lancé et à être mangé. Je vais chercher le meilleur endroit possible pour le poisson, c'est-à-dire le sable ou derrière la roche. Ou le sable au milieu de la roche. Là, c'est derrière la roche. Voilà, sur le banc de sable.
Le fil a dû tomber correctement. Voilà. Alors, on va poser ça de telle manière que si le poisson mort, il puisse emmener du fil sans avoir de résistance. Ça, c'est une chose primordiale pour la dorade. Parce que si le poisson commence à mordre, surtout les gros poissons, au-delà de 500-600 grammes, le poisson, s'il sent une quelconque résistance, c'est terminé, il ne mange plus. Il tire, la bobine s'en va et il ne mange plus. Là, s'il y a la touche, la bobine va sauter, le fil va s'en aller libre, le poisson va vérifier qu'il n'y ait pas de résistance et là, il va engamer et le combat va suivre. Ça y est, départ. Bon, la bobine est partie, il y a eu un départ. Je laisse le fil mou encore un petit peu pour que le poisson prenne. C'est bon, il est parti. J'arrive. Hop. Ah ben, c'est un beau petit sort. Ouais, ça fait plaisir. Hein. Petit sort de 500 grammes. Le sort, on le prend surtout sur les taches de sable au milieu de l'algue, de la roche. Surtout aujourd'hui, il y avait un petit peu de vent d'est, un léger vent d'est, et il aime bien le sort. Là, c'est son moment préféré. Il a pris au bibi, toujours pareil, la paroi pour les sparidés. Hein. Voilà. Ah ben, il faut espérer qu'il y en ait d'autres. Ben, on va essayer. Hein. Allez, au panier. Oui. Et je me retrouve aujourd'hui au même endroit exactement sur la même digue où j'étais hier. Et le temps, ben, il a complètement changé. C'est un temps gris, il y a du vent d'est assez fort. Et c'est propice pour pêcher des poissons un petit peu différents aujourd'hui. C'est-à-dire que hier, par beau temps, c'était surtout du marbré qu'on pouvait prendre, du sar en passant. Mais aujourd'hui, c'est surtout loup, sar, dorade. Avec comme appât vert américain, c'est assez bien, c'est un appât assez gros et que le poisson va bien, je vois bien. Tiens, j'en ai. Eh bien, on va mettre l'appât vert américain. Aujourd'hui, j'utilise du vert américain pour une bonne raison, c'est que lorsqu'il y a vent d'est, la mer est mauvaise et on a beaucoup de mal à trouver des vers de sable. Donc, on va utiliser le vert américain qui est un bon appât aussi. Hein. Surtout quand ils sont beaux comme ça. Ouais, là c'est du beau vert. Là, c'est... Et il y a toutes sortes de poissons qui mordent sur cet appât. Tous les poissons. Voilà. Voilà, on a un appât qui est prêt à pêcher. Voilà, on sait qu'il peut décider une dorade, un loup, un sar, un marbré, et parfois même des poissons de roche, ce qui est un petit peu moins amusant, mais enfin, on les remet à l'eau quand c'est comme ça. Aujourd'hui, avec le vent qu'il y a, quand je vais poser ma canne, je ne peux pas faire sortir
petit du pick-up pour le mettre dans une bobine que vous avez fait hier avec beau temps. Ce que je fais, c'est que je vais plutôt desserrer le frein. Sinon, avec les vagues et le vent, le fil va sauter tout le temps de la bobine et ça sera impeccable. Donc, je desserre le frein uniquement. Voilà. Comme ça, s'il y a une touche, il n'y a pas de risque que la canne parte à l'eau. Charlie, t'as vu la touche? Ah, qu'est-ce que ça va être comme poisson, ça? On va voir. Oh, ça part, René. C'est bien parti. Oui, oui. Quand je serre un petit peu le frein. Oui. Il prend un peu de fil, hein. Un peu de fil, serrez pas trop, quand même, hein. Ah, il n'aille pas casser. Non, on m'a fait un pitié. Ouais. On va y aller, là. Redresser la canne pour le travailler. La canne droite, comme ça, il risque pas de se mettre dans un rocher, hein. Ah, j'ai dit 40 centièmes, ici. Alors? Ouais. Il arrive, on va le voir. Oui, qu'est-ce que c'est, René? Un petit loup? Un petit loup. Ah, un beau petit loup. Allez, pas besoin de salabre. Eh ben. Petit loup de 400 grammes, René. Ouais, je serai le frein. Voilà. Eh ben, c'est bien. Voilà, il a mordu sur le ver américain. Comme on avait prévu, c'est un bel appât pour pêcher avec ce temps. Et le loup aussi, c'est le temps typique pour pêcher le loup, ça, hein. De la mer qui tape, vent d'est. Et on a pris bien derrière l'algue là-bas sur le sable, hein, comme on avait prévu, René. Ouais. Voilà. Assez loin d'ailleurs. Voilà, exactement. Eh ben, c'est bien. Ouais, c'est un sard, regardez, ah, ouais, il est blanc. Ouais, on le voit. Ouais, il est beau plat. Oh, ouais. Un beau sard. Ouais. Donnez des coups de tête. Ouais. La canne. Bon, à mon avis, il faudra le salabre, René. Ouais, on pourra aller chercher le salabre. Bah, ouais, ouais. Hein? Filet, hein. Il est beau, il est beau. Hop, on va amener le salabre. Ça y est, c'est bon. Un beau poisson, René. Beau sort, hein, comme on l'avait vu. Hein. Eh, ouais. Vous voyez pas, hein. Au départ. Mais... Il arrive à le sortir. Attention, pour que ça ne pas. Voilà. Ouais. Beau petit sort. René, on a touché deux poissons corrects, ouais. Mais le vent est trop fort maintenant. Vous savez ce qu'on va faire? On va aller finir un peu sur le sable. Hein, on peut faire du beau poisson. Je crois que c'est le mieux. Ouais, parce que là, vraiment, il y a trop de vent. Ouais. Allez, on va replier et on va aller là-bas. Hein. On a décidé de se mettre à l'abri, donc voilà une petite crique tranquille à l'abri du vent d'est qui soufflait beaucoup trop fort à l'endroit où on était. D'un côté, on est à l'abri, là, on est par des rochers, et de l'autre côté, la mer peut taper, passe par-dessus les rochers, et on est aussi à l'abri. Donc le poisson risque de venir, c'est du sable au fond, et on peut prendre toutes sortes de poissons. On peut prendre encore du sard, du loup, du marbré, voilà. Alors, ben, on va poser les cannes et puis on va voir ce que ça va donner pour terminer l'après-midi. Longtemps qu'on est là, il y a déjà eu un départ. Mais c'est pas étonnant, c'est la fin d'après-midi, c'est quand même le moment le plus propice
pour toucher du poisson là. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. On va travailler un petit peu avant la tombée du câble là au bord. Devant la marche. On a bien fait de venir là tout en fait. On a moins de vent, on est abrité et on fait du poisson. Ouais, un beau poisson. Venez la canne, le départ, ça touche. Ouais. Allez. Ah il part un peu, hein. C'est bon. Allez, ouais, ouais. Beau poisson, hein. Ah, c'est, on a choisi le bon endroit, on a eu le nez là, pour venir ici. Hein. Allez, on a... Oui, c'est pas mal, ouais. Ah, c'est quoi, 400 grammes, ça. Un beau poisson, hein, voilà. Eh ben, aujourd'hui, vous avez vu, on a pris combien, 4 poissons à la digue, 2-3 poissons là. Eh ben, c'est bien comme ça. Hein. Ouais. On a fait une journée qui est pas mal. Les gars, c'est des choses comme ça, hein. Il y a eu pire. On va pouvoir rentrer tranquille. On y va.